Herzlich willkommen zum 77. Festival von Avignon, dem größten Theaterfestival der Welt. Wie gewohnt bietet Ihnen Arte die Möglichkeit, eine der hier gezeigten Aufführungen zu sehen, als wären Sie selbst dabei, wie die Zuschauer auf den Tribünen hier. Heute werden wir den Garten der Lüste entdecken, inszeniert von Philippe Caine. Das Stück wurde speziell für die Uraufführung in Avignon geschaffen. Für unsere deutschen Fernsehzuschauer, der Garten der Lüste wird auch in der Duisburger Kraftzentrale im Rahmen der Ruhrtriennale aufgeführt, vom 7. bis 10. September. Ja, der Ort hier sieht nicht aus wie ein Theater oder wie eine Bühne. Wir befinden uns im ehemaligen Steinbruch von Bourbon, etwa 15 Kilometer von Avignon entfernt, mitten in der Natur der provenzalischen Heidelandschaft und Kalksteinfelsen. 7 Jahre lang hatte das Festival den Ort nicht genutzt. Dieses Jahr dann die Wiedereröffnung mit Philippe Caine und seiner Truppe vom Vivarium Studio. Guten Abend, Philippe Caine. Der Steinbruch ist beeindruckend. Welche Rolle hat er bei der Entstehung Ihres Stücks gespielt? Wie ist das gelaufen? Ja, wir haben hier mehrere Wochen vor Ort geprobt. Und als das Festival mich damals eingeladen hat, war ich gerade dabei, ein Stück zu erarbeiten, frei inspiriert vom Garten der Lüste von Hieronymus Bosch. Und wie so oft bei mir ist das Stück in der Zusammenarbeit mit den Schauspielern, mit den Interpreten entstanden, die eigene Ideen, eigene Sequenzen, eigene Musik eingebracht haben. Eine tolle Gelegenheit, diesen Steinbruch als Spielstätte wieder zu eröffnen nach 7 Jahren Pause. So ein bisschen wie die ersten Schritte des Menschen auf dem Mond. Ja, ich habe hier zum ersten Mal erlebt, dass der Steinbruch von Bourbon als Figur eingesetzt wird. War das von Ihnen so beabsichtigt? Naja, meine Truppe, das Vivarium Studio, feiert ja dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. Und in diesen 20 Jahren haben wir sehr oft mit der Idee der Landschaft als Figur gearbeitet. Oft waren das Landschaften, artifizielle Landschaften. Hier ist es ja nun eine unglaubliche Natur, in der wir arbeiten dürfen. Das ist fast surreal, wie ein Krater, ein Science-Fiction-Film, ein Canyon wie im Western. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. All das sind Inspirationen, die in dieses Stück für diesen Ort eingeflossen sind. Ich habe von Figuren gesprochen. Wir werden natürlich alle Figuren entdecken, die diese kleine Gemeinschaft bilden. Sie singen, sie spielen Musik, sie reden miteinander. Wer sind diese Leute? Na, Sie werden die Aufführung ja gleich erleben. Gleich geht das hinter mir los. Ich werde das jetzt nicht beschreiben. Wie so oft sehen wir Menschen auf der Reise, die diesen Raum gleich einnehmen, beleben werden. Sie kommen an, sie sind, sagen wir mal, motorisiert. Ich mache das gerne in meinen Stücken, dem Zuschauer Gelegenheit geben, die Menschen, dieses Ökosystem zu beobachten, das vor seinen Augen in Bewegung gerät, 2 Stunden lang. Ich hoffe, das Publikum wird dabei auf seine Kosten kommen, wenn es live dabei ist heute hier. Ja, das werden wir gleich sehen. Vielen herzlichen Dank, Philippe Caine. Und Sie zu Hause, lehnen Sie sich zurück und machen Sie sich bereit für eine Reise durch Raum und Zeit mit dieser kleinen Truppe, die hier gleich auftauchen wird. Zu Anfang wirkt sie ein wenig verloren, aber dann geht's gleich weiter. Viel Spaß und bis gleich. Thank you.
Oui, ça fonctionne. Vous m'entendez? Oui, merci. Vous pouvez me rejoindre dans le bus, si vous voulez. Alors j'ai branché un micro pour qu'on puisse tous s'entendre, qui est là derrière vous. Vous pouvez le prendre ? Merci. Portons un toast. À qui nous savons ? Et à tout ce qui nous reste à découvrir. Et à tous les êtres qui ressemblent aux inondations. C'est aux plantes. Vous pouvez prendre place. Alors, tout le monde est bien installé. 2B, 3B, 4D, il n'y a personne. Monsieur, vous savez où vous allez vous asseoir ? Oui. Oui, parfait. Ah, je peux vous aider ? Tout va bien ? Tout va bien. Je profite pour allonger les jambes un peu et... time to relax. Sure. Voilà. Il faut prendre le temps. Bon temps. Ah, vous avez mis le masque. Alors attendez, je vérifie. Oui, parfait. Est-ce que vous voulez un parfum ? Valériane rouge. C'est apaisant. Merisier, rafraîchissant. Pain d'Alep. Tout va bien, donc. Parfait. Et vous, monsieur ? Oui. Je veux la même chose. Oui ? Voilà. Vous pouvez l'installer. Thank you.
petit rituel. Voilà. Tout va bien ? Oui. J'ai préparé un petit texte et je voulais savoir s'il était possible à un moment donné de le partager avec le groupe. Oui, tout à fait. C'est prévu. D'accord. On fera un cercle de parole plus tard. Parfait, merci. Merci beaucoup. Vous êtes bien installé ? Très bien, merci. J'ai un peu chaud, mais ça va. Ah. Alors, la fenêtre est ouverte à l'arrière, puis il y a un petit courant d'air. Très petit. Bon, ça va. Tout va bien, monsieur ? Oui, tout va bien. Je viens de donner un petit coup sur l'objectif. Donc vous allez filmer ? Oui, un petit peu. D'accord. Et moi, je vais prendre du son. Oui. Alors, une chose à tous et toutes. Madame et monsieur vont prendre du son et des images. Qui est d'accord pour être filmé ? Il y a deux personnes qui... Oui, bah, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je pourrais flouter très facilement les gens qui ne sont pas d'accord pour être à l'image. D'accord. Peut-être qu'à l'occasion, vous pourriez expliciter un peu plus avant votre projet dans une réunion et nous en rediscuterons. Vous jouez du piano ? C'est ça, oui. Et vous allez pouvoir nous accompagner en musique ? Ah, bien sûr. Très bien. Et vous jouez d'un autre instrument ? Du piano et puis aussi un petit peu de guitare. Parfait. Merci. Madame, si vous voulez, vous pouvez sortir dehors, il y a un peu plus d'air. Ah oui, c'est ouais, possible. Tout à fait. Avec plaisir. Est-ce qu'on est sûr que le bus est garé là où il faut ? J'ai l'impression qu'il faudrait le... Pardon ? L'avancer un peu ? Ah oui, on peut le regarder, effectivement. D'accord, merci. Nous allons regarder le bus. Aussi de la musique Oui, oui. C'est un instrument assez sensible, donc on doit le réaccorder souvent, c'est surtout quand le soir tombe avec l'hygrométrie, les températures, le bois bouge, et du coup, il faut le réaccorder assez souvent. D'accord. C'est vraiment délicat. Ah. Oui. Je vous préviens, le véhicule va rouler. Sortir dehors si vous voulez.
La cravate jaune. Vous avez besoin d'aide? Il est branché? Alors, je vous propose un petit cercle de parole. On est plutôt en ovale. Qui est d'accord pour rester en ovale ? Donc un petit ovale de parole. Texte, fragment, proposition, geste, position, lecture. Qui est d'accord pour que chacun s'exprime où il veut, quand il veut, sans nécessairement faire de liste? Alors, il y a une valise avec des livres, si vous voulez vous servir. Et puis, il y a un micro dans la valise, si vous en avez besoin. Une ondulation d'herbe entre l'est et l'ouest. Une ligne imaginaire
va parcourir ce balancement oblique. On sait que les eaux s'y partageraient s'il y avait de l'eau, mais il y a seulement cette soif de pliure. Des silhouettes se superposent le long de cette arête fictive. Chaque instant est persistance et mémoire. L'horizon, dans son absence, est une hésitation émoussée. Alors, une autre participante, la dame à la casquette, n'a pas pu venir. Donc elle nous a confié ses poèmes et les textes vont apparaître dans le journal lumineux. Voilà, il est en train de charger. Across the foot of my mat and chose an old muslin dress to sleep in. It was a warm evening. I said my prayers and pushed the arm of the player over. The record would play over and over as I slept. All men are brothers. Would that it were true. And the sailor could sleep peacefully in the cradle of the desert, and the Muslim in the arms of a Christian ship. I slept for so long a time that the vendor serving afternoon lunch had already departed when I awoke. You talked about praying. Une fois, je priais, j'avais la bouche ouverte, une mouche est entrée. Mais je priais, là, je priais, je trouvais. J'étais en train de trouver, je n'ai pas bougé. La mouche est entrée dans mon corps, elle a plongé dans ma gorge, et je priais. La mouche est descendue, elle priait. Je voudrais être seul sur un nuage pour attraper des mouches. J'ai senti qu'elle priait. Et je sentais comme une vapeur qui s'échappait de mon corps et du corps de la mouche. Je faisais de la vapeur. Je produisais de la vapeur avec la mouche et nos prières. In a way, the fly was becoming a sister. Right, right. Les animaux et tous les trous.
se mirent à parler. Tous les trous se mirent à chanter. Entendre, aimer, laisser, abandonner. Les corps troués des morts sous terre se mirent à parler. Le futur absorbe la nuit, la lumière. Tranquille, futur absorbe les yeux des uns des autres, la lumière. Un embryon égale un autre. Un cil est comme un cil. Un oiseau mort au sol comme un aigle au-dessus d'une montagne. Les jambes et les bras sont si proches que la vie me dégoûte. Les enfants regardent dans un puits, et dans ce puits, il y a un fantôme qui lève la tête, et le fantôme dit « J'aimais bien la vie ». Longue succession d'âges et d'organismes. La vérité est une goutte, et toutes ces gouttes les rayons s'arrêtaient sur moi. C'était un jour, les rayons s'arrêtaient. Non, pardon, monsieur, s'il vous plaît. C'était un jour, les rayons s'arrêtaient sur moi. C'était un jour, les rayons s'arrêtaient sur moi. Ceci prouvait ceci. Un rayon m'a parlé, je discutais avec le soleil. Je discutais, mais le soleil ne discutait pas avec moi. Non, je peux pas, pardon. Je peux pas. Oui, le journal lumineux est capricieux. Il y a Gaston, chien. Mais quand le texte apparaît, n'hésitez pas à venir le lire. À tout moment. That sight you please to see, to
see what death is, oh, Liebentreib, somewhere below, please to see what death is, oh, Liebentreib, somewhere below. All the blessings they have sent you, please to see. Quand on veut tuer un serpent, est-ce que l'endroit d'où on tire a de l'importance? Est-ce que les cannibales ont des cimetières? Est-ce que le seul moyen d'allonger la vie ne serait pas d'arrêter d'essayer de ne pas la raccourcir? Pourri, qui sait très bien qu'elle n'est pas un oiseau, continue-t-elle de voler et de pondre des œufs? Est-ce que trop loin à l'est, c'est l'ouest? Est-ce que la nuit est aussi noire pour que rien, absolument rien, ne puisse nous distraire de nos cauchemars? Thank you.
côté de vous. Donc je disais que je voulais proposer une chanson. Qui est d'accord? Ok. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cet ovale pour vous proposer une petite plongée dans les cercles de l'enfer. Alors bon, vous savez, le poème est très très long, donc je vais pas... J'ai fait un petit condensé. Enfin, je vais directement commencer par l'extrait du Canto Decimottavo, donc le chant 18, et après ça se poursuit un peu dans le désordre avec des extraits des chants 11, 14 et 19. Luogo. È in inferno detto malevolge, tutto di pietra e di color ferigno. Il è dedans l'enfer, une sombre carrière, malevolge est son nom, de couleur fer en pierre. Mais, excusez-moi, est-ce qu'on peut couper les grillons? Merci. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, e qui vibri l'orribile soperchio del puzzo che profonda bisogita ci raccostamo dietro ad un coperchio. Dans le milieu précis de la plaine livide, d'un puits large et profond, l'œil mesure le vide. Et pour nous garantir du souffle délétère qui montait jusqu'à nous de ce profond cratère, nous cherchâmes abri derrière un grand tombeau. Indi, venimmo al fine onde si parte lo secondo giro dal terzo, arrivammo ad una landa. De là,
nous arrivions à la limite extrême où le second cercle aboutit au troisième. Une lande effrayante, un sol aride et nu. D'anime nude, vidi molti greci che piangian tutte assai miseramente. J'avais reçu devant moi des troupeaux d'âmes nues qui misérablement sanglotaient éperdus. Sovra tutto il sabion d'un cader lento, pioveam di fuoco dilatate fade, sur tout le champ de sable où se tordaient ces âmes, lentement par flocons tombaient de larges flammes. Taille scendeva l'eternale ardore, onde l'arena s'accende a cornesca sotto focina doppiarlo dolore. Ainsi le feu maudit tombait dans la carrière, comme on voit s'allumer l'amorce sur la pierre, le sable prenait feu, doublant les cris des morts. Thank you.
Tiptoes to my room every night, just to spring a powder. Go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away. Into the magic night, I softly say a silent prayer. I dream as dream, then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine all of the time. In dreams. It feels it's a good moment to take, to breathe in and breathe out. Inspirez, expirez. It feels so good to feel the breeze, the cold, gentle breeze in our faces, in our hearts, and in our souls. Isn't it? Here we are. Bienvenue, welcome, bienvenido, hwanyeonghapnida, willkommen, bienvenuto. Tonight, it's a night to remember. Something special will happen tonight that will change someone's life, and therefore will change all of our lives forever. Oh, it's moving. It's moving, life is moving. It doesn't stop. It's a continuous perpetuum. Here we are, a special moment will happen. Do you believe? Well, I do. I do too. Yeah. What would be life without belief? Without belief, life has no fragrance, no taste, no feeling, no nothing. Believing in life, stars, planets, galaxies, constellations, the universe. The eternal dance of life. Here we are. Tonight a special moment will happen, and for that I need the help of someone that is willing to come here. So I see gentlemen over there, maybe, I know, shy, maybe the sir, the one with the hat, can come here? Please come. Come!
Come, oh, that's very courageous of you already. That simple gesture is of a lot of courage. Beaucoup de courage, monsieur, déjà. Venez. Now, you can sit down, and I want to ask you a simple question. Do you believe in miracles? Est-ce que vous croyez au miracle? Oui. Pourquoi pas? Why not? Oui, it's a yes. Yes, oui, yes. Oh, yes, it is. Well, me too. We too. Now, you're very well dressed, sir. I see you're a very handsome man, may I say. But I just want you to take your hat for a little moment, votre chapeau, s'il vous plaît, juste un petit moment, just so that we can all see you a bit better, right? Oh, that's a surprise there. Wow. Now, I just want you to focus on a point in front of you, devant vous, un point, and any point you want, and you focus three on that point, and you relax two, and you sleep one, and sommeil. Deeper, 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 and deeper. Now, with this magical water, just a little drop of it, just a small little, oops, that's too much. Just one little drop can produce an amount of change. Time passes, time flies, time goes, and time dries. Changes and changes, and miracles are done. And with this magical water, tonight, here again, we'll witness something that will happen. Le temps passe. Et la rivière coule. 3, 2, 1, miracle! Now, sir, do you feel good? Do you feel any change? Yeah. Oh, I think you will see that change. Yeah. Look! Oh my God! Is that me? C'est moi? Et c'est vous, oui! Oh, it's you! C'est vrai! C'est revenu! It came back because you wanted. Now, so class! Thank you very much! I can't believe it, you know, it happened. Yes, it happened! It happened! Miracles happen tonight. Miracle! La musique!
J'ai un sonnet. En bas, s'il vous plaît, j'ai un sonnet. Chagrine pas de la chose accomplie. La rose blesse un ver ignoble et dans son sein. La lune et le soleil en main des tours malsains. La fontaine d'argent cache une sombre lie. Va, tout homme est fautif, et moi-même je plie car j'autorise en toi l'infidèle dessein. J'offre au péché des sens un sens, et ce blanc sein d'impurement aimé ta pureté salie. Me voici l'avocat même de tes excès. Pour tous, contre moi seul, je commence un procès. Ma haine et mon amour se font guerre civile. Et complice, je suis par force de celui qui, voleur trop aimé, d'un amour trop servile, de tout ce que j'étais me dépouille aujourd'hui. Un deuxième ? Ok. Il est pas long. Pourquoi si tristement, musique de mon âme, écouter la musique ? En accord, les douceurs devraient s'unir. La joie en joie étend sa flamme et la beauté qui passe est la beauté, son sœur. Pourquoi ce qui t'est cher l'accueillir comme un blâme ou chercher un plaisir en des mots obsesseurs? Sens-tu quelques remords secrets qui te diffament ? Dans la concorde et dans l'écho des sons danseurs, voir comme chaque corde ébranlant sa voisine en épouse le timbre et réveille argentine la plus claire, une enfance adjointe au couple heureux. Et toutes à la fois même cadence chantent, mêlant leur voix au cœur du pur instrument creux. Vous ne comptez pour rien, solitude mourante. J'étais un arbre. On pourrait faire de moi
des crosses et des cercueils, sans que j'y puisse rien. Si j'étais de la terre, on pourrait me morceler, m'entourer de barbelés, une pierre. On pourrait me lancer contre toi, sans que j'y puisse rien. Si j'étais de l'herbe, si j'étais de l'eau, si j'étais de l'air, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur. Oui, mais nous aussi, on travaille, monsieur. Non, mais... Non. Je sais pas, il y a quelque chose qui commençait à être fluide. C'était fluide, c'était agréable. The sweet gas is here. Oh, please. No. Voilà. Non, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Je me calme. Le microphone. Là. Test. Test, 1, 2, 1, 2. Bon, je vais prendre la parole parce que je sens là un peu de vibration, de tension, comment dirais-je, et je souhaite que l'on retrouve une forme de sérénité, de calme et de, pourquoi pas, de tendresse. Voilà, donc je ne serai pas cependant, voilà. Alors, tout d'abord, posons-nous une question simple. Quelle est notre stratégie à long terme? Je pense qu'il faut se forcer de répondre à cette question, non pas au regard de l'ensemble de nos convictions et du monde meilleur auquel on aspire, mais à travers le prisme unique de la campagne que l'on souhaite mener. Nous ne cherchons que l'homme. Nous n'avons pas besoin d'autres mondes. Un seul monde, le nôtre, nous suffit, mais... nous ne pouvons pas l'accepter. Tel qu'il est, nous sommes à la recherche d'une image idéale de notre propre monde. Nous partons en quête d'une planète, d'une civilisation supérieure, mais développée sur la base d'un prototype de notre passé primitif. Il y a en nous quelque chose que nous n'aimons pas regarder, dont nous essayons
de nous protéger, car nous n'arrivons pas ici dans un état... Oui, je vais accélérer. Hein, dans un état d'innocence primitive, nous arrivons ici tels que nous sommes dans la réalité. Et quand la page est tournée et que cette réalité nous est révélée, alors nous ne l'aimons plus. Nous préférons passer sous silence cette partie de notre réalité. Donc... évitez de choisir un objectif trop généraliste, impossible à décliner en stratégie locale et concrète, par exemple sauver le monde. Évitez de choisir une stratégie, comment dirais-je, hors de portée qui conduit irrémédiablement à l'échec et à la frustration, par exemple sauver le monde. Oui, oui, mademoiselle, une question. Oui, j'ai une question. Oui. D'abord, merci. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de tester la profondeur d'une rivière avec les deux pieds ? Une autre ? Oui. Êtes-vous absolument certain que la Terre n'est pas l'enfer d'une autre planète ? Thank you.
la suite de la visite. N'oubliez pas qu'il y a d'autres costumes à l'arrière du véhicule. Et dans les valises. Et si vous regardez dehors, vous verrez qu'on peut déclencher depuis le véhicule des projections et des illuminations sur la roche. Wow. Le son de l'orage tout à l'heure, c'était quand même... On va le garder, hein. Ce sera pour le dernier panneau. Et là, on est en fait au cœur du panneau central. Et d'ailleurs, on a carrément les pieds dans le grand bassin. Là, il y a des grandes étendues herbeuses, là. Grandes pelouses. Là, on a les roches et le ciel. Et je crois que c'est un peu le temps de revenir au fondement, un peu de comment, qu'est-ce qui fait que ce jardin a pu être créé, comment, pourquoi. Et pour ça, bien sûr, il faut revenir à peu près 100 ans avant la création de ce jardin, au moment où se développe la mystique médiévale flamande, que le créateur de ce jardin connaissait évidemment très bien. Et il faut revenir à la pensée de Jan van Ruysbroeck, qui, dans son flamand du XIVe, disait « Den verwinnende, dat is diegene, die alle dingen verwint en overklimt, zal ik geven verborgen hemelse broed. Dat is inwendige verborgen smaak en hemelse vrede. » Donc, à celui qui peut se dépasser lui-même et dépasser toute chose, c'est-à-dire à chacun d'entre nous,
bien entendu c'est possible pour chacun d'entre nous, il sera donné d'avoir accès à ce qu'on pourrait appeler la manne céleste et mystérieuse, c'est-à-dire avoir accès à un goût mystérieux et à la sérénité, la paix céleste, si vous voulez. Un examen riven, un blickenstein. Lui sera donné une petite pierre brillante. Et bon, c'est assez curieux, bien sûr, mais in dit stink, un uvename geschrieve die niemand weet dan dien on fact. Donc, à l'intérieur de cette petite pierre, un nouveau nom sera écrit que personne ne connaît, sinon celui qui possède la pierre, bien entendu. Dit stink is blikkende klaar en rood als een vurige vlamme. Hein, donc cette pierre, elle est éclatante, brillante et éclatante comme une flamme ardente. Voilà, comme une flamme ardente. Voyez. Hein? And it is klein and rond, een uffel om een herdelicht. Donc une petite, ronde, très plane et très légère. Et ça, ce sont toutes des caractéristiques. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les caractéristiques physiques de la pierre qui en fait correspondent à des valeurs morales que Jan van Rensbroek développe assez longuement dans son ouvrage, mais je ne vais pas tout détailler. Et met dit steenk verstaan wie ons universum. Dat is een blik des eeuwiges lichtes. Dat is een schijn van de glorieën cosmos. Donc, avec cette petite pierre, on a accès à la connaissance de l'univers. Elle est un éclat de la lumière éternelle, une étincelle du cosmos. En een spiegel zonder vlek, daar alle in leven, alle ding in leven. Donc, un miroir sans tache, un miroir immaculé dans lequel on peut voir vivre toute chose. Dat is waarheid, klaarheid en leven. C'est donc la vérité, la clarté et la vie. Et dit steenk is ook gelijk een vurige vlamme. Want de minnende groten geheel heeft vervuld al het rijk met minnen. En wil de minnende geest in minnen verbernen. Donc cette petite pierre, elle est semblable à une flamme ardente, brûlante, parce qu'elle est l'amour du grand tout, qui prodigue et qui brûle tout d'amour, et qui, à nous, âme déjà aimante, à partir du moment où nous nous sommes dépassés nous-mêmes, va nous donner encore plus d'amour, nous brûler de tout son amour. Et enfin, dit Stink, is genoemd een calculus interdeling, c'est-à-dire un tout petit caillou. En dat is om ons te herinneren, c'est pour nous rappeler que we zijn niet mensen, we zijn wormen. Nous ne sommes pas vraiment des êtres humains. Nous sommes des vers, des petits vermisseaux. Et c'est bien ça dans ce grand jardin, là, sur ces plaines herbeuses, autour de ce grand bassin alimenté par ces deux cours d'eau, ces tours rocheuses et organiques à la fois, tout ce grand paysage est peuplé d'une multitude d'hommes et de femmes nus comme des vers, tous égaux, quelle que soit leur couleur de peau, leur sexe, pardon ? Les animaux. Oui, il y a aussi des animaux qui sont nus. Les animaux aussi sont nus. Regardez ce cheval nu, par exemple, qui galope là. Oui, ben voilà. Regardez-le là. Ces bêtes nues, ces êtres humains nus, chevauchant des animaux nus dans une espèce de folle ronde autour de ce grand bassin et célébrant ainsi la pureté et la vie et l'amour brûlant du grand tout. Attention, madame. Et alors, regardez, madame, un petit peu plus loin, là, on voit, c'est un autre indice, on voit ces grands oiseaux, ces oiseaux géants, là. Mais pensez-vous vraiment qu'ils soient géants? Non, attention encore. Oui, pardon. Pensez-vous qu'ils soient géants? Non. En fait, ces oiseaux sont de taille normale. Ce sont des êtres humains qui sont tout petits, tout nus, comme des vers, et tout petits. Oui, c'est quand même quelque chose. Bonjour. Bonjour.
Je suis ici pour vous parler des crustacés et de moi-même. Les mollusques, tels que vous les connaissez, ces mollusques sont à la base. Leur coque, les mollusques et leur coque ont formé les variétés dont vous êtes, dont tous les animaux, les arbres. Et par mollusques planétaires, je parlerai. Il se peut que nous nous trouvions à l'intérieur d'un mollusque. Il se peut que nous circulions comme des pyromanes, des mélomanes, des somnambules, je ne sais plus le mot, parmi les transitions entre deux formes. Les états géologiques quelconques, les formations quelconques. Mais je ne peux pas relier deux formes. Je ne peux pas relier une minute à l'autre, un instant à l'autre, un grain de sable à l'autre, ceci et ceci et ceci. Mais par la force de la volonté, naturellement, et par mes expériences, je me suis montré et entouré. Les expériences m'ont montré et entouré. Tout ce qui me montrait et m'entourait obéissait à ma volonté. Ceci est ma volonté, ma parole est ma volonté, comme mon corps. Mon corps est l'une des formes de ma volonté. Et comme tous les autres corps, ici et ici, vu par mes yeux volontaires, chaque pensée crée le monde et mes paroles produisaient des actions. Et j'aperçus une trame dans le ciel. Elle était composée de lignes droites se croisant perpendiculairement. Et mon drap, ma chambre. Je suis une personne dans une chambre ou dans un monde. Et mon drap représentait les mêmes lignes, la même configuration. Ce drap me permettait de projeter mes pensées dans le monde. Tout objet permet de projeter ses pensées dans le monde. Chaque décision que je prenais avait une direction. Et j'ai changé le caractère des fleurs, des buissons, et la forme des fleurs, des hérons. Du mauvais de la base, des bruines de la moelle, les navets, les colraves, des trapézoïdes et des pierrailles, du marbre, de la résine, longitudinalement, transversalement. Et leur corps et mollusques, le long pistil, les étamines, les lois complexes et curieuses qui régissent la facilité. C'est la facilité propageant pendant plusieurs générations
un caractère uniforme. Un être. Ce n'est qu'un être. Je suis venu vous dire qu'il s'agit d'un seul être. La même pierre, le même pistil, la même gueule, l'étendue, l'épaisseur des couches de sédiments. Un même être. Les entassements énormes, superposés, une seule et même chose. Des ruisseaux charriant la boue. Et les vagues rongent les falaises antiques. Antiques, elles meurent. Car la matière est sans début. À mon transit, au lavement de mon transit. Une expérience pour moi qui a été tellement forte, presque mystique. Un lavement, c'est un voyage intérieur. On remonte aux origines par le son et l'eau. Parce que tout d'abord, c'est le son. Un son profond qui gronde. Un son qui gronde, gargouille à l'intérieur, au plus profond de ses entrailles. Ce son fait remonter des souvenirs. Et le souvenir qui remontait à la surface pendant que l'eau remontait dans mon gros intestin pour ce lavage intérieur, c'était celui du centre de la terre, des tréfonds de la terre. C'est un bruit très particulier. Le ventre gonfle et il y a une sorte de gargouillement profond, comme si le centre de la terre était à l'intérieur de moi, bouillonnant. Je me souviens, j'étais dans une clinique des lavements des intestins. Ce qui m'a frappé, c'était que tout soit très propre, très blanc. Le sol était tellement propre, j'aurais pu le lécher. On m'a allongé sur un lit et on m'a introduit un tube par l'anus, un tube transparent. Après, on ouvre un robinet et l'eau arrive, elle entre par le tube.
On peut choisir nous-mêmes la quantité de l'eau qu'on veut laisser passer et même la température. Et vous, vous aviez choisi quelle température? C'est mieux si c'est tiède, ni trop chaud ni trop froid. Et au fur et à mesure que l'eau remonte dans l'intestin, le ventre gonfle et il y a une sorte de gargouillement, comme la terre qui gronde. Et après, au bout de 30 minutes, environ 20 minutes, l'eau qui part devient de plus en plus transparente, claire, et on s'apaise vraiment. On se sent purifié au plus profond. On est tout propre à l'intérieur. On se sent avec plus d'énergie. On est presque heureux de cette expérience. On est heureux. On est transparent. On ne fait qu'un avec le tube. Ce long tube entre l'éprouvette et l'alambic. Ce tube qui nous donne l'opportunité de tout regarder dedans et d'avancer dans la vie tout en abritant une mer intérieure aussi pure que du cristal. Écoutons.
choisir une destination pour continuer. Qui est d'accord? Qui préfère continuer dans cette direction? Direction. Qui préfère continuer dans cette direction?
voilà, c'est la fin de ce Jardin des Délices mis en scène. Das war Garten der Lüste, eine Inszenierung von Philipp Ken für das 77. Festival von Avignon, hier im Steinbruch von Bulbon. Die Truppe des Vivarium Studio grüßt das Publikum jetzt hier schon zum zweiten Mal. Das Publikum ist begeistert. Das war's von uns, aber wie jedes Jahr ist Arte bei den großen Sommerfestivals dabei, insbesondere bei den Opernfestspielen in Aix-en-Provence mit der Drei-Groschen-Oper, inszeniert von Thomas Ostermeier, am kommenden Mittwoch als Livestream auf Arte Konzert zu sehen. Und am Donnerstag um 23.55 Uhr auf Arte, Wozzeck, in einer Inszenierung von Simon McBurney. Hier noch einmal die Truppe des Vivarium Studios mit Regisseur Philipp Ken. Ein letzter Abschied von Ihnen. Auch ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis bald.